Right? I'm going to have new moves. I'm going to have new suicides. But, anyway. But yeah. Anyway. So, voilà, donc on est toujours dans la saison 1 et c'est parti pour le match. Raziel contre Steel. Voilà, directement ouverture de Raziel. Voilà le lot. Et Steel qui a essayé de récupérer sa prio avec un gros coup. Et pour l'instant, Raziel qui a toujours raison. Hein. Oh là là. 3 AA et le mix-up qui passe. RLCK qui va pas être puni. Il y a très peu de réco aujourd'hui sur ce coup. Ouais. 6BB, on sent, il a fait la version courte. On sent que Raziel le conteste contrairement à d'autres. And aussi. L'étalite. Voilà. Voilà, enfin cette Just Frame qui fait quoi, qui fait 15 dégâts de plus. Ouais, tout à fait. Oh. Ok, 2B qui est safe, tout va bien. Raziel, que je m'attendais pas, il joue plutôt agressif. Hein. Et oui, du coup, très lui rend l'appareil. Voilà, c'est bien steppé, malheureusement, le deuxième qui traque. Oh, le wall. C'est bien confirmé, ça. Effectivement, bien une bonne connecté. Lecture, là, c'est pas embêté de faire la JF. Ouais. Il bon step sur le BTB plus K. Oh, le clash. Clash avec Voldo qui a toujours une drôle de tronche puisqu'il se met à reculer alors qu'il est déjà dodo. Ok, on est parti. Mauvaise décision de la part de Raziel, mauvaise garde. Il a pensé c'était Lolo. C'est toujours difficile, c'est toujours difficile. Et voici Lolo, voilà, qui entre en scooter. Le 3B qui est bien bloqué. Sous le charge. Il est coincé au bord, il va vouloir step. Non. Voilà, et on est parti pour le mix-up. Oh, le pire! Il n'y a pas cru lui-même à son trap. Oh, lâche. Ça fait plutôt mal normalement, mais il me semblait qu'il y a un flop. Et Steel qui veut gagner ce round avec le loup. Voilà, c'est terminé. Deux rounds pour Raziel. Plutôt solide, hein. Pour l'instant, ça paye. Oh, il punit pas ça non plus. Je sais pas s'il peut le punir vu le pushback. Excellente question. C'est possible. A plus B. Voilà, les pokes. Skill qui a deux barres, hein. La full charge de Smutsurugi est très très forte avec ses mix-up. Il y a un autre mix-up qui est force block. Voilà. Petit full charge assez rentable. Il a dû faire 120 dégâts, je pense. Ouais, pas mal. Et il lui reste encore une barre. Non, là, bien bloqué, bien puni. 2, 3, 6, AA. Aïe, aïe, aïe. Le létalite, ça m'a tué évidemment. Skill qui garde une barre pour ce dernier round. Aïe, aïe, aïe. Pas de wish finish, c'est juste assez court pour qu'il puisse mettre sa soul charge à nouveau. Et le 6-6-B. Les gars. Ouh, la meilleure chope du jeu. Ah non. Non, il peut du pentagon en avant en fait. Aïe, aïe, aïe. La soul charge, est-ce qu'elle va être concrétisée? Le 3B. Raziel qui a une défense de fer. Hein. Ouais. Il n'y a pas de wish finish, évidemment, c'est 8. Ah, c'est safe. Oh, et le launcher très solide de Raziel. Tout à fait, roi des pingouins. Si Raziel gagne, il est meilleur. Il est même, on peut dire, champion du monde. Et du coup, peut-être si que champion du monde, il est meilleur Voldo du monde. Tout à fait. Et voilà. Ah non, ça, parce qu'il y a Nobisil en France. Il n'est pas meilleur de France. Ah non, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. On sera deuxième, on pourra dire. Donc c'est parti directement sur le même stage pour récupérer 2A. 2A qui sort, le premier 2A de la partie, c'est sûrement une réponse au style assez agressif qu'on avait de la part de Raziel. Oh, le pack dash en stance. Voilà, 3 counter 2KB encore une fois. Ok. Il se cherche, hein. Voilà le bon step. Oh, la bonne. Skill qui a pas choisi de step, hein. Il a trop peur de se prendre non. Le 3B qui est force block. Le dernier Rocky. Et le 4B. Et anti-backdash. Bien joué ça de la part de Raziel qui prend le premier round sur ce match. 4-4A qui touche. Excellent coup avec une très bonne portée, hein.
Voilà, l'anti-step, bien bloqué. Le A plus B cette fois-ci qui va connecter. La pression sur les GI. Ouais. Là, c'est. Voilà, il a essayé d'aller cheese le 2-2. Ah, mais c'est bien puni. Où ça se cherche, le whiff qui est pas puni. Anti-roll. Voilà, c'est bien steppé, mais c'est pas whiff puni. Je passe par. Il reprend la prise, le 2A qui interrompt. C'est ce qui se kick. 3A, il veut vraiment aller chercher le counter là, ce qu'il a. Le block stun avec la barre qui brille du côté de skill, pas de la malignette, il a le mix-up. Ça, elle anti-step. C'est pas vrai. Mal de mal pour Raziel. Est-ce qu'on c'est une redite de Kier Adams contre skill la dernière fois? C'est pas possible. C'est... J'ai un... Voilà, cette fois-ci, voilà, sous le charge, il est obligé. De toute façon, il peut plus faire gratter la barre là, la barre de garde. Voilà, 6-6. Ah, il conteste la priorité, ouais. Forcément. Voilà, il... Raziel qui touille, qui tente les phases, qui change le rythme. C'est ce kick. Ok. Oh, c'est pas possible, ça watch avec le ring out. Quelle honte. C'est joliment transformé, disons-nous. Non, c'était pas mal fait, mais je savais pas du tout. Et ça fait knockdown avec le A plus B. Encore une fois, il veut retravailler sur la barre de garde. Il a raison, il a deux rounds. La chope qui se fait deux par deux A. Ça backdash, il se cherche. Il y a eu très peu de whiff de la part de Raziel, hein. Il a toujours touché. 4 kicks. Et voilà, forcément, voilà. BS8 qui a une portée de malade. Skill qui a plus de garde. Hein. Voilà, là il a plus de 90. Elle le fait pas tomber cette fois-ci et voilà, là ça pète. Il aurait pu mettre la CE, non? Il aurait pu, je ne sais pas, mais je pense qu'il aurait pu faire mieux en tout cas. Après, c'est un choix. Ah, okay. Et c'est terminé.